Certains la considèrent comme la Bugatti Veyron de l'époque. Bonjour et bienvenue dans Track Day, nous sommes aujourd'hui sur la piste d'Imola pour découvrir l'une des voitures les plus emblématiques des hypercars des années 90, la McLaren F1 BMW équipée d'un V12 de 618 chevaux. De quoi faire tourner des têtes, cette voiture est aujourd'hui extrêmement rare, elle est connue notamment pour avoir été entre les mains de Rowan Atkinson qui a toujours cette voiture. Rowan Atkinson, si vous ne le connaissez pas, c'est Mr Bean, comme ça vous voyez très bien de qui je parle. C'est une voiture absolument incroyable avec une position de conduite centrale, c'est-à-dire vous êtes en plein milieu du cockpit, vous avez un siège à votre gauche et un siège à votre droite et c'est vraiment une parfaite répartition des masses. Vous avez une parfaite vue périphérique avec deux rétroviseurs, c'est assez intéressant comme détail. Elle développe une puissance de 627 chevaux comme je le disais, un couple à 617 Nm et une vitesse de pointe qui est entre 380-390 km/h. Le 0 à 100 se fait en 3 secondes 2. Bref, une vraie hypercar comme on l'aime. Elle glisse, elle est pas facile à piloter mais très intuitive, donc vraiment une réalisation parfaite, que ce soit de la modélisation 3D. Le son, bon, on aurait aimé quelque chose d'un peu plus hurlant pour un V12, je suis un petit peu déçu personnellement parce que bon, ça reste un moteur BMW hein, monté dans cette voiture. C'était l'association entre McLaren F1 de l'époque hein, et le constructeur bavarois pour le bloc moteur. En tout cas, un combo qui fonctionne bien et que vous pouvez retrouver dans la description de cette vidéo. D'ici là les amis, n'hésitez pas à monter le son avant d'en prendre le volant.